Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de dernière minute les amis. Très belle mairie, je sais pas si vous voyez la mairie. Ça, j'adore ce genre de bagnole, c'est une côte de dingue en ce moment. Hello, vous êtes supportrice de l'OL? Vous êtes supportrice de l'OL ou pas? Ah ouais, non, sûrement pas. C'est vrai? Ah, le PSG, non, on est dégoûté de ce club, nous. C'est le club de Qatari, on n'aime pas ça, nous. Bordeaux-Bègles. Ah, Bordeaux-Bègles, ok. Bref, petite aparté avec la jante féminine. On apprécie aussi. Bref, petite vidéo, les amis, rapidement, parce que je vous ai déjà fait la présentation du match contre Wolfsburg, mais transfert surprise du côté de l'Olympique lyonnais, puisque l'OL a annoncé en fin d'après-midi un accord avec l'OGC Nice à hauteur de 3 millions d'euros seulement pour Melvin Barr. Melvin Barr, les amis. Melvin Barr a été transféré du côté de Nice pour le coup. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Ça ne m'étonne qu'à moitié pour deux raisons. Déjà, je vous avais dit que cette sélection pour les Jeux Olympiques ne sentait pas très bon. Le fait qu'on l'ait autorisé à rejoindre la sélection olympique française, pour moi, ça montrait que Peter Bosch n'a pas été franchement impressionné par le garçon. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il a eu le temps, je pense, de se faire une petite idée. Peut-être aussi que le comportement du garçon était en cause. C'est possible aussi. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Ça, c'est clair et net. On reprochait à Rudy Garcia de ne pas le faire jouer, de ne pas le faire jouer assez régulièrement. C'est peut-être qu'il y avait aussi une raison, peut-être une raison de niveau de jeu. Alors, je sais que toute la communauté lyonnaise est farouchement attachée à ces pépites, entre guillemets, mais je pense qu'on n'est pas au quotidien pour savoir réellement ce qu'il se passe à l'entraînement et notamment au niveau de l'attitude à l'entraînement. Et c'est possible que Melvin Barr se soit senti découragé. On sait qu'il avait débuté le match face à Angers. Rappelez-vous, c'était lorsqu'il y avait eu ce petit épiphénomène avec Oussem Aouar. Oussem Aouar qui avait refusé de s'entraîner après le match. Il était titulaire sur ce match contre Angers, à Angers avec Ryan Cherki, et tous les deux étaient sortis très rapidement du match. On les avait vus aller directement au vestiaire et puis à partir de ce moment-là, Melvin Barr, il a eu, un carton rouge contre Monaco. Et puis, il a enchaîné quelques pépins et ça s'est mal passé. Il a eu aussi le Covid. Et puis, très sincèrement, voilà, dans la hiérarchie, il y avait devant lui, il y avait l'indéboulonnable Maxwell Cornet. Et puis, de temps en temps, Léo Dubois, qui lui était préféré, il tombait un petit peu dans les oubliettes. Notre ami Melvin Barr, et je pense très sincèrement que c'était une question de niveau. Alors, bien sûr, quand il a joué, il n'a pas non plus été mauvais, loin de là, mais il n'a pas été non plus extraordinaire. On a vu qu'il avait de la qualité, ce garçon, mais comme Juninho, je crois, l'avait dit, ou peut-être Rudy Garcia, je ne m'en souviens plus, il a dit peut-être que... non, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, qu'en gros... Ah oui, si, c'est elle, la personne avec qui j'étais en contact au club, qui me disait « Oui, enfin là, pour l'instant, Melvin et Ryan, ils ont perdu un an. » Et moi, je vais même aller plus loin. Je pense que Melvin Barr a perdu déjà deux saisons. Deux saisons, parce que quand je l'ai croisé, c'était à la sortie d'un match absolument abominable de l'Olympique Lyonnais. Il n'était même pas rentré en jeu. Je l'avais croisé avec ses parents. Je lui avais dit « Franchement, il faut songer au départ. » Il faut songer au départ pour peut-être évoluer, pour peut-être progresser et voir autre chose. Mais voilà, on a envie de rester à Lyon, dans le petit cocon, là où on a nos petites habitudes. Et on voit ce que ça donne. Ça donne bien un échec parce que aujourd'hui, Melvin Barr à l'Olympique Lyonnais, il a été formé. Puis c'est un échec, on n'a rien vu de lui. La faute à qui? Peut-être la faute à l'entraîneur, peut-être la faute au statut, puisque Maxwell Cornet est indéboulonnable et que forcément, il y a sûrement un choix politique derrière. Mais derrière, il n'y a pas non plus, je pense, un gros caractère de la part de Melvin Barr. Il n'y a pas encore cette force de caractère qui lui permet de se surpasser et peut-être un peu de chouinerie à l'entraînement parce qu'il n'était pas satisfait de son temps de jeu. Donc tout ça couplé fait que,
Christophe Galtier s'est montré très intéressé par le joueur et on a convenu d'un accord à hauteur de 3 millions d'euros avec quelques incentives, mais c'est très peu, très très peu. J'ai vu un peu les commentaires sur Twitter et tout le monde semble absolument étonné d'un montant si peu élevé. Ça nous rappelle ce qu'on avait vendu à Nice aussi avec notre ami Amine Gouiri. Je crois que c'était quelque chose comme même pas 10 millions d'euros. Donc voilà, c'est vrai, on fait quand même pas mal d'affaires avec l'OGC Nice. Je crois qu'on leur avait vendu Maolida, on leur a prêté Jeffrey Adelaide. Malheureusement, les croisés ont fait qu'il est revenu plutôt rapidement. Enfin, plutôt rapidement, il n'a pas prolongé son prêt du côté de Nice. En tout cas, il n'a pas été acheté. Bref, il y a eu pas mal de transferts entre Nice et Lyon. Je pense qu'il y a des bons rapports entre les deux clubs. Et Melvin Barr, le fait qu'il parte là-bas, ben, est-ce que c'est intéressant pour lui? J'en sais rien. Puisque il y a quand même du monde hein, sur ce côté gauche. Il y a Hassan Kamara notamment. Et puis Stanley Nsocki. Donc s'il se retrouve troisième dans la hiérarchie, ça va être lui aussi compliqué pour lui de. Ben, c'est pour lui compliqué, pardon, de peut-être s'imposer à l'OGC Nice. Mais à Lyon, imaginez-vous quand même qu'il était dans la hiérarchie. Alors, si on. Imaginons que Maxwell Cornet reste, parce que c'est peut-être possible qu'il soit satisfait de. Je vais terminer cette vidéo après, j'ai croisé un copain. Oui, pardon, je vous disais, les amis, que évidemment la concurrence allait être féroce pour lui du côté de Nice, mais à Lyon, quand on voit la hiérarchie, c'est vrai que Maxwell Cornet, il a l'air d'avoir tapé dans l'œil de Peter Bosch, et si nous n'arrivons pas à le vendre, c'est possible qu'il soit toujours numéro 1 dans la hiérarchie, donc numéro 1. Avec Rudy Garcia, numéro 1 avec Peter Bosch et surtout sur ce poste de latéral gauche. Et puis, évidemment, la recrue qui est arrivée, Enrique, qui serait numéro 2. Il n'aurait. Et oui, et puis il y a aussi Youssouf Koné. Est-ce qu'on va arriver à vendre Youssouf Koné? Ça fait 3 joueurs au même poste. Et c'était 4 avec Melvin Barr. Il s'est, je pense, découragé. Il a tout de suite imaginé qu'il ne jouerait pas. Et comme Amine Gouiri, ben voilà, il s'est dit, ben. Partons de l'Olympique Lyonnais, essayons de prouver notre valeur ailleurs. Et puis, il a dû sûrement être en contact avec Amine Gouiri, qui a dû lui vanter les mérites de l'OGC Nice. Donc, tout ça ne me surprend pas finalement tant que ça. Moi, je voyais vraiment sa participation aux Jeux Olympiques comme le fait qu'on ne compte pas sur lui, que Peter Bosch ne compte pas sur lui, parce que, je vous le dis, une préparation avec son nouvel entraîneur, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour prouver sa valeur et je pense que sincèrement, si Peter Bosch comptait sur lui, il l'aurait retenu. Alors vous allez me dire Bruno Guimaraes. Oui, Bruno Guimaraes, c'était, je crois, inscrit dans son contrat qu'il voulait faire la Copa América. C'est pour ça qu'on l'a autorisé à faire la Copa América. Mais vous voyez, Maxence Cacran ne l'a pas autorisé à partir aux Jeux Olympiques parce qu'on compte sur lui. Dès le début de la saison, il devait faire toute cette préparation avec l'Olympique Lyonnais. Alors Melvin Barr, il a fait une bonne rentrée. Il n'était même pas titulaire dans cette équipe olympique. Il a fait une belle remise sur le premier but de l'équipe de France. Voilà. Mais en tout cas, ça ne sera pas une vraie satisfaction. Melvin Barr, il aura été en échec à l'OL, malheureusement dans son club formateur. On ne peut pas réussir tout le temps. Je pense qu'il y avait un problème de statut. Évidemment, puisqu'on a privilégié des joueurs à plus forte valeur marchande et avec une plus forte expérience. Et puis, un manque de caractère probablement du garçon. Et puis surtout, peut-être une attitude qui résulte de tout ça, une attitude un petit peu boudeuse et qui s'est peut-être ressentie à l'entraînement. Il se sentait en fin de cycle déjà. On l'avait proposé, je crois, à Lorient en prêt l'hiver dernier. Il avait voulu coûte que coûte rester à l'Olympique Lyonnais. Bon, écoutez, de temps en temps, je pense qu'il ne faut pas forcer le destin. Il faut aller voir ailleurs, essayer de progresser ailleurs. Certains l'ont fait, ils l'ont fait avec brio. Pour ces jeunes de l'académie, c'est bien beau de vouloir s'appuyer d'ailleurs sur cette académie, mais tous n'auront pas la réussite et la chance de rester longtemps à l'Olympique Lyonnais et de s'y imposer. Ça, il faut bien l'avoir à l'idée. J'ai en tête un petit peu Ryan Cherki. Je me dis que Ryan Cherki... C'est peut-être son année où jamais
pour réussir à l'OL. Sinon, je pense qu'il faudra lui aussi qu'il prenne la poudre d'escampette et partir ailleurs. C'est peut-être un discours où vous allez me dire « Ah, t'aimes pas ton club, tu veux voir tous les joueurs se barrer ?» Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je regarde juste un petit peu la carrière des joueurs et voir plutôt leur intérêt de progression de carrière, et ça ne sert à rien d'insister dans un club où on ne vous fait pas confiance à 100%. Voilà, donc restons attentifs. N'hésitez pas, les amis, à me donner votre avis sur le départ surprise de Melvin Barr. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes plutôt content? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Mettez aussi un abonnement. Mettez la cloche aussi pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis très bon début de week-end. Bon match à vous. Bisous. Ciao.